Et bienvenue. La question que tout le monde se pose, est-ce que la salle de lab qui a été débloquée en fait pour l'événement euh, des infectés, des zombies du coup, euh, est toujours là Est-ce qu'elle est toujours là Est-ce qu'elle est gratuite Est-ce qu'il y a des loot à l'intérieur Donc on va aller voir ça. Donc on est de retour sur Tarkov, mais Tarkov normal, donc Tarkov chiant et on va voir si le lab aussi ouais, faut le payer. OK, ça marche. Donc il faut une carte. On a une carte ici. C'est parti. Euh, on est bon. Ouais, on est bon. Allez, allez. let's go. Euh, donc, ouais, on va aller voir un peu s'il y a la, la salle. Si a la salle, si elle est toujours ouverte, si elle est toujours disponible, voir un peu les loots. Um, et, et, et voilà, voilà tout simplement. Il euh, y a aussi quelques petites choses que je voulais vérifier. Ah oui, s'il y a toujours les explosifs, vous vous rappelez, il y avait des. Ah oui, et aussi on a le local. Euh, bon, les explosifs, comme je, je finis ma phrase, euh, les explosifs c'était les bonbonnes oranges. Euh, ça c'était nouveau en fait pour l'événement. Euh, et on est bien sûr euh, en local maintenant. Donc le local est de retour pour le PVE quand vous jouez solo. Donc ça c'est vraiment vraiment bien parce que du coup vous, vous rentrez dans le raid instantanément. Ah pas de problème. Ouh la vache on est vraiment mal placé. Euh... Oh j'entends... J'entends quelqu'un qui a son arme à la main. Non? est ah, parce que là du coup on va devoir jouer normalement, moi je j'ai plus l'habitude. Moi. Moi, je, moi je fais je veux un jeu zombie en fait. Je veux un jeu zombie maintenant. Non je déconne, on y va. Ah bah tiens, fais voir. Ok, oui. <laughs> ok, ok. C'est... Intéressant. D'accord. Ils ont laissé ça, c'est marrant. Ils ont laissé les explosifs. Très bien. Donc techniquement, tous les extincteurs là, comme ça, ils peuvent exploser Maintenant Parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu le temps de tester avec les zombies. Avec les zombies qui vous courent après. Attends, on va faire ça. T'es à gauche T'es à gauche dans la salle Dans la salle où je veux aller, la salle est ouverte en tout cas. Ouais. Ouais, et apparemment ils ont le même problème que les zombies. C'est marrant ça. Ils ont le même... Ouais, mais oui, mais vous me faites chier en fait là. Ok. Ah oh, ça me manque des zombies. Il y en avait deux. Hein. Ouais oh, peut-être. Attends. Vérification. Donc ils peuvent... Oh, on doit être bon. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être dans la salle. Genre aller dans la salle ou alors peut-être qu'il pop dans la salle. Dans la salle avant en tout cas, fais voir un peu. Euh... Ouais. Il y a toujours des balles. Attendez parce que ma lampe elle est trop forte. Euh, C'est quoi Mhm. Mhm. Ok, alors peut-être qu'on n'a pas de chance, hein. euh, mais bon, c'est potable. Euh, oui, c'est potable. Ouais. On va dire que pour un truc gratuit, ça va. Alors. Du coup, ça voudrait dire que on peut aussi euh, trouver la carte, la carte et ouvrir le, ouvrir la salle qui est derrière moi. Oh, j'ai trouvé la carte. Ah, elle peut apparaître là. Ah. Je l'ai vue parce que mon poids, en fait, c'est allumé. Ah, ah c'est marrant, quoi. <laughs> Comment elle est cachée. Donc, du coup, ça, c'est la... la nouvelle carte. Donc, elle est toujours là, la nouvelle carte. Donc, ça veut dire que... Euh, C'était où C'était là. Alors, ça veut dire que... Oh Bien ça. Dis-moi, j'ai... Je me suis pas préparé du tout pour looter en fait. Waouh, ça tue. Waouh, ça tue Deux Sérieux là Il y a plein de trucs en or. Euh... Tac... Tac. Euh... Euh, J'étais pas prêt J'étais pas prêt J'aurais pas dû les mettre au milieu de la salle maintenant j'ai mon point qui s'allume tout le temps là. Oh Mais t'es sérieux là what what, what 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 <laughs> Des Blue folder, Oh les Blue folder, comment c'est cher! Ah oh putain! J'ai. Ah oh là, là. Oh là là! Ah là là! Tiens, c'est pas grave. La SP6, je peux la. Je peux l'acheter, c'est pas grave. Euh... Attends, pourquoi je détecte encore un truc? Ok, ça marche. Les Blue Folders, c'est genre 3 millions le machin. Genre 3 millions, je crois. C'est super rare. Alors après, je crois que. Je... Il y a quelque chose comme quoi vous pouvez le récupérer que quand vous avez Light Keeper débloqué ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Mais. Euh... Yay! Yeah, oh, a... il y a une arme dessous. Mais c'est une spire. Mais tu te fous de moi en fait. Non mais. <laughs> Ok. Ok. Non mais... Non mais c'est abusé. Mais mais est... Elle est abusée cette salle en fait. Genre la carte... Or je suis quasiment certain que la carte, hein, celle-là, hein, elle est à 100%. Je suis quasiment certain qu'elle est à 100%. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais je suis quasiment certain qu'elle est à 100%. Euh, donc ça veut dire que vous avez donc les deux salles gratuites qui sont ouvertes. Alors il peut avoir des gens dedans, faut faire gaffe évidemment. Euh, et après vous avez euh, donc la salle ici extra quoi, avec la carte. Et il y a même une arme qui peut apparaître dessous en fait, genre là quoi. Et on vient de récupérer 4 4 euh, bitcoins. Ouais, j'aurais vraiment pas dû mettre les, les choses au centre. Je crois qu'on a fait le tour, par contre. Je crois qu'on a fait le tour. Ben merci. Euh... Comment t'appelles, toi, déjà Je crois que c'est Vladimir. Merci, Vladimir. Ou, ou ça, c'est le patient. Je sais pas si c'est le docteur ou le patient. Ah, vu la gueule, je pense que c'est le patient. Vu les vêtements, surtout. Ok. Bon, bah, ben, on va y aller. <laughs> c'est énorme, c'est énorme. Elle est énorme, ce sac. Encore pire qu'avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Mon dieu, il y a un truc là. Ah ouais, mais comment je le prends Euh... Nikita Nikita... Ah, Attends, je peux... Je... On peut attraper les choses quand on, on est en l'air Non, je peux pas. Nikita Ça c'est con ça, Nikita. Il y a un bitcoin. Il y a encore un bitcoin, tu te fous, moi Ouais, ah, mais non, mais je peux pas... Euh... euh... Tu peux pas pousser la chaise Attends, est-ce qu'on peut... Comme ça, non. Ouais, je, non, je crois que ce bitcoin, c'est mort. Ah, dites-moi si vous avez une idée. Comment je pourrais prendre un truc qui est genre posé comme ça là. Mais ouais, il y a encore un bitcoin ici. Euh, attendez, si je me cale bien. Non, je fais F, mais il n'y a pas le prompteur en fait. Je crois que quand on est en l'air, a... c'est impossible de récupérer des choses. Donc il y a pas de moyen. Euh... Ouais, il me faudrait une courte échelle. Il faudrait que quelqu'un vienne me faire une courte échelle. Bon! Ah eh ben on va y aller! Bon, rappelez-vous de ce qu'on a vu. C'est parce qu'on va peut-être pas sortir vivant. Mais voilà, c'est pour vous dire. Rappelez-vous de ce qu'on a eu. On va faire ça parce que je sais plus jouer. Allez, on y va! et nous sommes sortis. Ah donc ouais, non, super sale, super sale. C'est limite c'est limite une salle à carte en fait. Euh, sauf que là la salle carte, elle est la carte, elle est facile à trouver. J'en ai, ai plusieurs en plus maintenant. Donc euh, donc c'est limite aussi bon qu'une qu'une red, qu'une black, qu'une euh, qu yellow tout ça là en fait. Euh, alors après après bon c'est un peu par contre, si vous voulez que des c'est plutôt aller faire la blague, aller faire la verte et tout ça. Mais euh, euh, après, c'est une très très bonne salle qui est plus ou moins gratuite en fait. Vous avez donc l'opportunité de prendre des, des super armes, comme la Spire encore une fois. Donc Spire, une des meilleures armes du jeu. Euh, les balles, bon là on n'avait que des balles un peu bof, euh, il y avait beaucoup de P90 je crois bien, euh, donc euh, voilà, là on n'a pas eu beaucoup de chance pour les balles, donc peut-être que les balles elles ont été un tout petit peu nerfées, je ne sais pas vraiment. Euh, mais après pour les steams, bon on a eu tout ça en steam, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, une douzaine de steams, ça va, c'est potable. Après Lyon. Euh, rooster c'est très bien des œufs, donc ça c'est des trucs euh, d'argent et tout ça c'est pas mal le veritas aussi c'est cool tous les trucs un peu euh, euh, mé médecine et tout ça, ça aussi c'est sympa la corde ça c'était dans le sac donc on va pas la compter et après on a eu ça on a eu donc intelligence donc ça c'était avec la salle de la clé, de la carte ok donc ça c'était la, la carte donc avec la carte on a eu intelligence donc ça c'est bien, c'est 300, entre 300 et 500k. Et on a eu Blue Folder, c'est la première fois que j'en trouve comme ça. Euh, donc vraiment cool, Blue Folder. Euh, et on a eu 4 Bitcoins. 4 Bitcoins, c'est abusé. Je vais aussi remettre une carte. Euh, je vais en profiter, sinon je vais oublier. Euh, aussi, euh, on a eu 4 bitcoins et il y en avait un qu'on ne pouvait pas récupérer parce qu'il était sur l'étagère au-dessus et tout ça. Et on ne peut pas récupérer les choses quand on saute et tout. Donc on n'a pas pu le récupérer. Le Blue Folder, il a combien Ah, oh, il a grave baissé. Ah, ben voilà, ok, je comprends pourquoi il a grave baissé. <laughs> il y a une époque, c'était à 3 millions parce que c'était extrêmement rare. Donc maintenant, ça a baissé. Ce qui est intéressant avec le Blue Folder, si vous étiez pas au courant, vous pouvez prendre. Euh, je crois que c'est quoi Required Search qu'il faut faire Je ne me rappelle plus. Euh... Ouais, vous pouvez prendre une Tic Item Case avec. Et normalement, il y a autre chose aussi. Ouais, voilà, il y a la PKM. Il y a la PKM, il faut un seul dossier. Donc, moi, elle avait coûté très cher du coup, parce que le, le dossier était à, à, à 3 millions ou 2 millions, je crois. Bon, maintenant, ça a baissé parce que voilà, le, ils apparaissent un peu plus. Surtout dans cette salle, j'imagine. J'imagine que les gens, en fait, farm cette salle. Euh, mais voilà, vous pouvez avoir pas mal de, de très bons trucs en fait avec les blue folders. Donc ça c'est vraiment cool. Euh, donc ouais, honnêtement, super sale, méga super sale. Te, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Euh, L'Abs est devenu vraiment fun, en fait. Parce que vous avez pas vous avez plus besoin, en fait. Enfin, pas plus, mais vous avez pas vraiment besoin, en fait, de toutes ces conneries, par exemple. Parce que maintenant, elles sont limitées à en charge, elles coûtent super cher et tout ça. Donc, vous n'avez techniquement pas besoin de faire ça. Vous pouvez littéralement faire des runs gratuitement sur, sur l'Abs et récupérer la carte de 2. là, Celle-là. récupérer la carte de 2 et, et vous sortez après. Une fois que vous avez récupéré vos votre truc, vous sortez. Ah donc nickel, super, super cool. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Euh, Laissez un j'aime, ça aide énormément pour référencement tout ça YouTube. Ah, si jamais vous voulez euh, me regarder en direct, on fait surtout des jeux d'horreur en, en direct, je, je, je vais être honnête. Euh, on va recommencer un peu les streams parce que maintenant l'événement de, de Tarkov est fini, donc moi je vais un peu m'ennuyer, donc je vais faire beaucoup moins de Tarkov. Mais voilà, si vous voulez voir beaucoup plus de Tarkov par contre, euh, regardez la playlist. J'ai fait des vidéos sur euh, genre les, les compétences pour les monter très vite et tout ça, enfin essayez de les, les monter vite en tout cas, euh, des choses comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, regardez la description encore une fois merci infiniment d'avoir regardé à la prochaine et allez farmer cette salle elle est gratuite elle est top portez vous bien ciao ciao avant de nous quitter pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.